Good morgen, à la Ida Nesur, aujourd'hui le Nishmat Maester, Bat Miriam, ainsi que l'Irfouat, Olivier Nishmat Maester, Khamshat Miram Bat Roselena, Binyamin Menchbiba, Esther Bela Bat Chaya Verda Tzipora, et Inon Chai Ben Jessica, Betoch Shar Rochole Israël, si vous savez, vous étudiez une prochaine étude de Mishnah contre les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Rovin Perek Yud, Mishnah Yud Aleph, Neger Anigrar, Noalin Boba Migdash, Avalloba Medina, Vehamunach Kan Vekanasur. Rabbi Yehuda Omer, Hamunach Mutar Bamigdash, Ve'anigrar Bamedina. Notre Mishnah Yud Alef, c'est la suite de la Mishnah Yud, où on parlait de la fameuse, du verrou, la fameuse barre là, pour le pen, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement en bon français, pour, avec laquelle on fermait les portes de l'époque. À savoir, peu importe, est-ce que ça met sur toute la largeur ou pas. On fermait la porte depuis l'intérieur, et puis on apprenait ensuite une barre qu'on mettait, qu'on plaquait dans des gâches, dans des trous quoi, qui étaient fixés, des sortes de crochets, où on la plantait là-bas, comme ça la porte elle était bien plaquée, on ne pouvait plus l'ouvrir de l'extérieur. C'était les systèmes de fermeture de l'époque. Ce type de fermeture nous confronte à un interdit de bonnet théorique, qui peut être des oraita ou des rabanan, comme ce qu'on va découvrir dans notre Mishnah, à savoir, tout ce qui est pas, tout ce que tu as fixé dans le sol, tu vas le planter dans la terre, même à un moment donné, on a déjà évoqué l'histoire, si tu as une fenêtre, tu vas enlever une fenêtre à Shabbat, enlever une porte des gonds à Shabbat, et la remettre sur les gonds à Shabbat, tu te demandes, c'est un interdit mideoraita de construire. Parce que tout ce que tu fixes au sol, c'est devenu maintenant quelque chose de fixe, d'établi, que tu la rattaches au sol, tu transgresses un interdit de bonnet. D'accord? Construire à Shabbat. Maintenant, par rapport à ce verrou, alors, on avait évoqué, dans la mishnah précédente, une certaine permission, si toutefois, il y a le verrou que tu vas mettre, c'est un ustensile qui sert à autre chose. Donc si tu vas mettre un stylo, tu vas le mettre pour fermer une porte, on voit bien que tu n'as pas construit une maison, mais tu as plutôt mis mon stylo. D'accord? C'est un ustensile. Même si c'est un ustensile qu'on n'a pas le droit d'utiliser pendant le Shabbat, ça ne change rien au problème. Puisque c'est un keli, alors maintenant, on constate, c'est net, que ce n'est plus des plantes à construire. Ça, c'était la permission qu'on avait dans la mishnah précédente. Dans notre Mishnah, on va parler maintenant que tu vas mettre ce verrou, mais qui n'a plus la boule à l'extrémité, comme il nous le précise le Barthénois. Et dans ce cas-là, on peut être confronté à un interdit minatora. À savoir, si le verrou il est complètement posé par terre, et tu vas le prendre et tu vas le mettre, tu transgresses un interdit de la Torah selon Tanakama. Je vous explique juste un petit principe, qu'on va voir maintenant à partir de notre Mishnah, jusqu'à la fin de la Maseret, je crois même la dernière Mishnah aussi, où on va voir plusieurs permissions qu'il y avait au Beth Amikdash. Du coup, à cause de cette mission, en fait, on va se mettre à quitter un petit peu complètement les rouvines, les interdits de Shabbat et les interdits, pour parler de toutes sortes de choses qui se passent au Beth Amikdash, où, de manière générale, au Beth Amikdash, les décrets Midrabanan n'étaient pas en vigueur dans beaucoup de situations. Au Beth Amikdash, il y avait les Kohanim qui étaient Zrizim, comme la Mishnah nous le dit, la Gemara nous le dit fréquemment. Kohanim Zrizimen, c'était des gens qui étaient zélés dans la Avodat Hashem. Ils avaient besoin de tellement de barrières, Midrabanan, pour pouvoir, afin de les éloigner des interdits de la Torah. Ils savaient faire très attention. Donc du coup, Chachamim leur ont permis toutes sortes d'interdits qu'on va rencontrer en général, Bamedina, ce que la Mishnah va appeler Bamedina dans le pays, toutes sortes d'interdits que Chachamim ont décrétés, ne sont plus en vigueur au Beth Amikdash. On leur permettra. Par contre, ce qui est interdit de la Torah, on ne pourra plus leur permettre, bien évidemment. Selon ce principe, je vous fais tout à l'oral, comme ça, après qu'on lit la Mishnah, vous allez tout comprendre. Ce sera directement plus facile. On va voir maintenant, par rapport au loquet que l'on met, donc qui n'est plus un ustensile. Du coup, ce qui est interdit par la Torah, de le mettre, soit si c'est, comme ce qu'on va voir, on va prendre un cas extrême, par exemple, le cas du loquet, de la barre, du verrou, qui n'est pas du tout fixé au sol, qui n'est pas un ustensile, qui n'est pas fixé au sol, tu n'as pas le droit de la prendre et de la mettre, si tu transgresses un interdit minatora quand tu le fais, alors même au Beth Amikdash, ce sera interdit. Par contre, s'il y a un interdit que Midrabanan, comme par exemple, ce qu'on va voir, c'est si il est le verrou, là, cette barre, elle est rattachée avec une ficelle, mais une ficelle qui ne va pas bien la suspendre. Soit, il est même posé par terre, mais il est rattaché avec une ficelle. Le fait qu'il soit rattaché par une ficelle montre que maintenant, il est une partie intégrante du sol, il fait partie de la construction. Du coup, tu auras le droit de le remettre, en théorie, selon la Torah, mais Chachamim ont fait un décret, jusqu'à ce qu'il n'est pas bien pendouillé,
D'accord? Je pose le principe général. Puisque là, on va se retrouver avec un interdit. Mais des Rabbanan, alors au Beth Amikdash, on pourra le permettre. Du coup, on va découvrir comme ça sur ça, une machloket, entre Rabbi Yehuda et Chachamim, à savoir qu'est-ce qui est interdit par la Torah, et qu'est-ce qui est interdit par ordre, mais des Rabbanan. Et du coup, forcément, qu'est-ce qu'on va pouvoir permettre dans le Beth Amikdash? Je commence à traduire. Nagar Neger Anigrar. Neger Anigrar, donc le Neger, on a dit, c'est le verrou, la poutre. Nigrar qui est tirée, c'est-à-dire elle est rattachée, mais elle n'est pas suspendue. Elle a une ficelle tellement longue que le maintenant la cette barre, elle est posée complètement par terre, mais rattachée avec une ficelle. À la différence, en fait, il manque l'introduction, en fait, c'est que si toutefois la barre, elle était complètement suspendue au sol, suspendue, surélevée du sol parce qu'elle est rattachée avec la ficelle, là, tu as le droit de prendre cette barre sans aucun problème et la remettre selon tous les avis. Si la ficelle, elle est trop longue, que maintenant, elle fait que la barre, elle est posée par terre, bien qu'elle soit rattachée par la ficelle, c'est interdit midrabanan, mais puisque c'est interdit que midrabanan, tu pourras le faire au Beth Amikdash. Donc ça s'appelle un nagar, neger anigrar, le verrou qui est nigrar, que tu peux le tirer avec la ficelle, mais que pour le moment il est nigrar à la ritzpa, il est tiré par terre, donc il est posé par terre. No alin bo bamikdash, on pourra le fermer avec un tel verrou au Beth Amikdash, aval lo bamedina, mais tu ne pourras pas le faire par contre dans la Médina. Ça, c'est s'il est nigrar. D'accord? Par contre, vehamunach, vehalobamidien, c'est-à-dire tu ne pourras pas le faire chez toi, à la maison, dans le pays. Juste au Beth Amikdash Urinkula, mais si c'est chez toi, ce sera interdit, midrabanan. Vehamunach, par contre, s'il s'agit maintenant d'un bâton qui est complètement posé par terre, qui n'est pas du tout rattaché avec une ficelle, il est purement suspendu, puisque ce n'est pas un ustensile, c'est pas comme dans la mission précédente. Alors, Kan avec Kan Assur, ce sera interdit partout, même au Beth Amikdash. Parce que là, il y aura un interdit Minatora, selon Tanakama. D'accord? Ça, c'est la première partie. Premier avis. Deuxième avis de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, non, pas du tout. Amunar, Moutar, Bamikdash. Banigrar, Bamedina. Pas comme ce que tu dis. Celui qui est Mounar complètement, celui qui est complètement posé, lui, on aura le droit de le mettre au Beth Amikdash. Mais pas chez toi à la maison, parce qu'il y a quand même un interdit midrabanan. Soit il me dit, même lorsque cette barre elle est complètement détachée du sol, il n'y a plus d'interdit minatora. C'est quelque chose qui est fait pour être mis et retiré constamment. Lorsque tu le mets, il n'est pas devenu une partie intégrante du binyan. C'est pas devenu un interdit de bonnet de construire par lui. De ce fait, au Beth Amikdash, je vais te le permettre. Chez toi à la maison, je te l'interdis jusqu'à qu'il soit quoi? Jusqu'à qu'il soit vers Nigrar Bamedina. Et le Nigrar, s'il est juste rattaché par une ficelle, là tu auras le droit de le mettre, tu auras le droit de le mettre même chez toi à la maison. Parce qu'en fait, selon Rabbi Yehuda, on baisse tout d'un niveau. Soit, selon Chachamim, en fait, ça se fait comme ça. Selon Chachamim, s'il est posé complètement au sol, il y a un interdit minatora. S'il est rattaché avec une ficelle, mais sans pendouiller, et la ficelle elle est trop longue, alors là il y a un interdit minatora qu'on va lever dans le Beth Amikdash, mais qu'on va interdire, on va maintenir dans chez toi à la maison. Selon Rabbi Yehuda, l'homme, tout, il n'y a aucun interdit minatora, jamais dans un cas pareil, avec ces barres-là qui sont prévues à cet effet. De ce fait, lorsque c'est posé complètement au sol, sans être attaché avec une ficelle, au Beth Amikdash, c'est permis, chez toi c'est interdit. Et midrabanan, je te l'interdis que quand c'est complètement déconnecté du mur. Mais si toutefois elle est rattachée par une ficelle sur le mur, alors dans ce cas-là, ça suffit déjà pour lever même l'interdit de rabanan, même chez toi à la maison. Et la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. D'accord, le partenariat est conclu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol, Tov, Salam.